Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 8 avril 2017, je voudrais vous présenter un truc assez sympa. Je me baladais sur Twitter et dans les top tendances France, je vois fiscal combat en mots-clics dans les tendances. Jean-Luc Mélenchon et OS Souverain tweet à ce propos. Je me dis, qu'est-ce que c'est comme truc? Donc je clique sur fiscal combat et je tombe sur la présentation d'un jeu. Secouer les tous, ça fait penser un peu à Pokémon, attraper les tous. Secouer les tous, donc c'est un jeu vidéo qui a été créé par des développeurs pour la France insoumise, hein, donc le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Et ça m'a fait rire parce que, en fait, c'est vraiment un jeu, c'est pas une connerie. Voilà. Donc le jeu, ici. Au passage, ah oui, alors si c'est pas au bon endroit, voilà. J'ai ouvert les outils développeurs. Et donc, on voit que c'est un jeu. Hop là, voilà, j'ai développé le truc. Voilà. Merde. Hop, voilà. Donc, c'est un jeu entièrement HTML5 avec Canvas. Et du JavaScript, donc c'est des trucs assez sympas, c'est pas du Flash Player. Et donc, je vous montre le jeu, c'est tellement drôle, je vous mets le lien dans la vidéo en dessous, parce que c'est vraiment marrant. Donc en fait, voilà, donc vous avez des petites présentations. Et donc, vous incarnez Jean-Luc Mélenchon, vous voyez au centre de l'écran. Vous avez la barre de vie en haut, la barre de puissance un peu en dessous, votre niveau, votre avatar. Et donc ça, ce sont les méchants qu'il va falloir secouer et récupérer leur argent. Donc, pour l'attraper, comme vous voyez à l'écran, il faut aller dans sa direction. Et pour le secouer, on appuie sur la flèche du haut du clavier. Et on récupère l'argent volé. Et après, on fait gauche ou droite pour le balancer. Et le but de la manœuvre, eh ben, c'est de tous les secouer. Donc vous voyez la barre de puissance, elle augmente. Vous avez d'autres personnages qui arrivent tout au long du jeu. Voilà. Donc Jérôme, que vous aurez reconnu. Il n'y a pas de nom. Mais c'est bien caricaturé. Vous aurez reconnu Jérôme Cahuzac. Merde. Ah! Et donc là, vous voyez, la barre bleue est complètement pleine. Donc si j'ai un peu trop de monde, et bah, je fais espace et boum! Tous ceux à proximité, ils explosent. Et je récupère leur argent. Vous voyez le compteur d'argent qui monte. 12 000 euros. Voilà. Donc là, vous reconnaissez Christine, qui me fait penser à Christine Lagarde. Voilà. Donc là, vous secouez Christine Lagarde, mais vous secouez aussi encore les Cahuzac et les Smith. Donc en fait, plus ça va, plus c'est dur, puisque vous avez les personnages différents. Vous voyez, l'argent monte. J'ai récupéré 50 000 euros.
J'ai plus beaucoup de vie. Donc là, on va dans une nouvelle carte. Petit album de Carla. Vous aurez reconnu Carla Bruni. Et donc Nicolas Sarkozy. Et merde. Donc là j'ai perdu. Bon, je suis pas allé bien loin. Mais vous voyez, tous ceux qui ont joué depuis le lancement du jeu, eh bien moi j'ai apporté 56 000 euros à la cagnotte. Cagnotte virtuelle, hein. Et donc tous les joueurs, ils ont récolté 15 milliards d'euros. Voilà, donc c'était drôle. Je trouve le jeu assez sympa. Ça fait un peu voilà quoi, jeu vidéo assez drôle. Et donc voilà quoi, c'est vraiment du JavaScript. Voilà. Donc tout le jeu, c'est du JavaScript. Et du HTML5. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc je voulais vous partager ça quand même. J'ai trouvé ça drôle. Donc je me suis dit autant vous le partager. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.